Promouvoir le cinéma africain à travers les nouvelles technologies, une réponse au manque de valorisation des œuvres cinématographiques africaines, concrétisée par la naissance de Eke+, dernier de la structure Ivoire Phoenix. C'est le numérique, c'est le chap-chap, comme disent nos jeunes enfants. Parce que les télévisions conventionnelles sont vraiment débordées. Aujourd'hui, même les chaînes que nous avons en Côte d'Ivoire, en Afrique, eux-mêmes sont sur des plateformes. Donc, la nécessité d'être maintenant en streaming. Il faut qu'on s'oriente maintenant sur le streaming où on est ouvert au monde entier. Au cours de cette assise de promotion, plusieurs points ont été abordés, notamment la question du financement des œuvres cinématographiques. C'est comme du business, il faut aller vers des gens et puis leur dire, écoute, moi voilà, c'est mon projet, il est à hauteur de temps, et si tu finances à hauteur de temps, tu deviens producteur. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ivoire Phoenix est une structure spécialisée dans le domaine informatique et des télécommunications, créée en juillet 2023.